Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Bon, avant de commencer cette petite vidéo aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets ma prochaine vidéo. Et puis aujourd'hui, comme vous avez pu voir, j'ai de nouveau des Mister et Mini sur Star Wars, sur Disney et sur La Reine des Neiges. Donc on va pas traîner, puis je vais vous déballer tout ça avec vous. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous ai dit, des petites Mister et Mini. Moi, il n'y a pas des milliers de cents, j'en ai 6. 2 sur Star Wars, 2 sur Disney et 2 sur Disney aussi, mais sur La Reine des Neiges. J'en ai déjà sur Star Wars, dont celle-ci. Nous avons aussi celle-ci. Et nous avons aussi celle-ci déjà. Donc, on va espérer en avoir d'autres, parce que on peut encore en avoir ah non, mais je crois que j'en ai encore d'autres. Attendez voir. Je croyais que j'en avais d'autres, mais à première vue non. Ok, bon, alors bon, bah tout de suite on va commencer hein. Donc ce serait bien, on en a encore une ribambelle dessus, mais ce serait bien d'avoir par exemple Ray. Ça pourrait être chouette. Ouais, on va voir. On va voir qui c'est. On va déjà déballer ça. Comme je dis, attention, ça c'est dangereux. Alors. Alors. De nouveau, le petit papier. Alors. J'essaye au toucher de voir à quoi ça pourrait correspondre. Il y a une arme sur le côté. Ah, ce serait peut-être Pau. Ah non, non, non. Il y a un autre truc sur le côté, un autre. Ah, ça pourrait être peut-être Boba Fett. Pas Boba Fett. Si, c'est peut-être Boba. On va voir. Attention. Vous arrivez à voir quelque chose là-dedans? Rien du tout, hein. Moi non plus. Alors. Ah bah non. C'est pas Boba Fett. Mais c'est un autre sur les chevaliers de Rennes. Et celui-là, je l'ai pas. Voilà. Donc il est sympa aussi, je le connais pas du tout celui-là, ou enfin il me dit pas grand chose là, mais il est chouette. Voilà, donc on en a un autre, c'est très bien, au moins pour l'instant pas de doublon, donc c'est déjà pas mal, enfin pour l'instant. Il y en a encore un, donc peut-être qu'on aura peut-être encore un doublon, hein, allez savoir. Bon, ensuite, on continue. Tam 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 tam. Alors. Alors, tac tac. On va ouvrir ça gentiment. Voilà, sauvage un peu, hein. Normal. Hop. Alors, au toucher, qu'est-ce que ça nous dit? On dirait une arme sur le côté de la tête qui donne sur le bas. Franchement, je n'ai aucune idée. Là, c'est compliqué. Alors. Ah, il me dit rien. Tiens! Alors lui, il me dit rien du tout, mais nous l'avons pas. Voilà. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Il me dit quelque chose. Mais voilà. Au moins sur la partie Star Wars, nous n'avons pas de doublons. Donc c'est déjà une bonne chose. Hop, ensuite. On va faire lesquels?
la partie Disney, où dedans on peut avoir sur Tic et Tac, on peut avoir aussi sur Super Baloo et sur la bande à Picsou. Je sais que j'en ai déjà qui sont une partie là en haut. Donc nous avions déjà. Ah, nous en avions déjà pas mal. nous avons déjà Tic, nous avons Zaza, nous avons Flagada, nous avons Tac et nous avons, si je me trompe pas, Loulou, je crois. Donc on va voir qui c'est qu'on arrive à dégoter. Alors, après, voyons voir lequel est compliqué à avoir. Ah, il y a Mister Mask. Ah, franchement, Mystique, ce serait magnifique, parce que Mystique, nous avons une chance sur 72 de la choper. Super Baloo, nous avons quand même une chance sur 36. Donc, et nous avons encore lequel nous avons une chance sur Flagada Jones, une chance sur 72 aussi. Donc, c'est quand même du lourd. Ah, celui-là, il s'ouvre plus facilement. Alors, au toucher, alors, où je trouve la base, ça c'est la base, ça c'est en haut, on dirait une casquette, donc je vais opter pour un des cousins, soit Riri, soit Fifi, soit Loulou. Alors, nous avons déjà... Il est là, voilà. Donc j'espère que nous n'allons pas nouveau choper le même. Magnifique. Et non, alors je me suis totalement trompé. Nous avions une chance sur 36 de l'avoir. Et nous l'avons. Super Baloo. Voilà. Franchement, regardez-moi. Il a une bonne tête. Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est une trouvaille, mais magnifique. Je suis super content. Je pensais vraiment pas. Après, voilà, c'est cool. C'est Super Baloo. Je l'avais pas. Nickel. Ah, bien que Mystique serait cool aussi, parce que c'est plus compliqué à l'avoir. Donc, voilà. Après, nous pourrons avoir qui... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Le gros costaud, enfin pas le gros costaud, celui-là qui est costaud dans Tic et Tac, je crois que c'est Jack, avec Ruzor, je crois. Lui, c'est une chance sur 72 aussi, donc c'est pas évident à l'avoir. Donc on peut espérer, vu que là on a eu Super Baloo. Enfin, je sais pas si... Oui, Super Baloo. Donc, attention. Alors, cette fois, au toucher, il est plus petit. Je sens la même chose. On dirait une espèce de casquette de nouveau. Donc, cette fois, je pense plus pour un des trois frères. C'est ça, de nouveau. Ah, c'est pas cool. Nous l'avons en doublon, voilà, il est là. Et ben celui-là que j'avais déjà, ben il est là, voilà. Donc nous l'avons deux fois. Après c'est pas grave, nous avons quand même eu Super Baloo, donc ça c'est déjà chouette, voilà. Bon, bah ben, pour l'instant, sur 4 déballés, un seul doublon, c'est pas mal. Ensuite, bah, on va attaquer aux deux dernières, qui est sur la Reine des Neiges. Alors, je crois que la Reine des Neiges, j'en ai absolument aucun. Ouais, ça c'est sûr. Donc, aucun risque de doublon. Donc, on va dire qu'on en a 1 sur 6 en doublon. C'est bien. Donc, on va commencer. Alors, voyons voir. Déjà, qui c'est qu'on peut avoir dedans? On peut avoir, bon, Anna, Elsa,
Enfin, Anna et Elsa, en plus d'avoir plusieurs différents habillements, on peut avoir Sven, Christophe, Olaf. Nous, on peut avoir aussi le cheval à première vue. On peut avoir aussi le géant de pierre. Et puis, on peut avoir aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Si, Mathia, voilà, qui est, je crois, le capitaine ou le commandant, je ne sais plus trop. Et on a une qui est assez compliquée, on en a une qui est compliquée à voir en sur 72, et je sais pas qui c'est. Voilà. Le personnage là me dit absolument rien. Alors, hop. Alors, au toucher, qu'est-ce que ça dit? Que c'est super lisse. Ok, moi je vais me lancer en disant que c'est Olaf. Voilà, voilà, hein. On va essayer. Alors peut-être je suis totalement à côté de la plaque, soit je suis pas trop mauvais. Et ben voilà, nous avons notre petit Olaf. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi cette tronche. Elle n'est pas mythique. Elle est magnifique. Et il a pas mal de petits décors sur le corps. Franchement, ça, c'est assez chouette. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Nous avons le petit Olaf. Donc, bah, dernière Mystery Mini pour aujourd'hui. Elle est là. Toujours sur l'univers La Reine des Neiges 2. Voilà, j'avais oublié de préciser, hein. Alors, tant qu'à faire, on a eu Olaf, ce serait cool d'avoir Sven. Hein. Bien que Sven, on a une chance sur 12 de l'avoir. Olaf, c'était une chance sur 6, donc voilà. Là, elle est assez grosse, celle-là. Alors, assez gros. Sur quoi on pourrait se tenter? Moi je dirais Mathia. Vu le toucher, on dirait qu'il a un bouclier sur le côté. Et quand je regarde, on dirait qu'il peut avoir un bouclier aussi. Je serais tenté de dire que ce soit Mathia. Donc on va pas tarder, on va pas traîner, hein. On va voir si mon pronostic est bon. Attention. Et oui, j'avais raison. Voilà, notre cher petit Mathia. Voilà. Et comme je vous ai dit, voilà, il a son bouclier sur le côté. Donc j'ai eu raison. Et en plus, il est quand même fort sympathique. Voilà. Donc bon, ben, franchement, sur ce petit déballage de Mystery, fort agréable et fort sympathique, nous avons eu un doublon. Bon bah voilà, c'est pas la mort, tant pis. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo de déballage de Mystery vous a plu. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager, et puis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao.